Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre aventure sur KHBBS, comme je l'avais annoncé hier sur le dernier live, qui a duré qu'une heure, je sais. J'avais mal au crâne, j'ai envie de jouer un peu à Minecraft vu, ça, vu ce qu'on est en train de faire comme aventure. Donc là, on est parti pour continuer l'aventure de Terra, hein, qui s'est élevé au rang de maître auprès de Xehanort. J'ai un peu l'impression que Terra s'est fait embobiner par le Xehanort. Le Xehanort, c'est vraiment pas clair. Donc on va voir vraiment continuer l'aventure. Voir ce que ça donne. Jouer à glace à gogo. Ouais, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Quelle chanson veux-tu tenter de ce Super Loire? Choisis un niveau débutant. On va voir ce que ça donne ce mini-jeu. Écoutez attentivement pour retenir le rythme qui tape. Ah. Ah. Envoie la manette. Et oh. Donc là, il va me falloir le son du jeu. Donc. Et... Voilà. Ça, je serai pas gêné. Ok. Alors, suivez le tempo pour empiler des boules de glace, écoutez attentivement pour retenir le rythme et qui tape dans ses mains, c'est à vous ensuite de viser avec flèche haut, gauche, droite, pour puis appuyer sur croix pour lancer les boules selon le rythme que vous avez retenu. Okay. Appuyez sur croix quand le cercle veut se vert se referme sur la touche. Quand appuyer s'affiche, appuyez plusieurs fois pour faire un combo. Bon, on va faire un test, hein, parce que je me rappelle plus vraiment comment ça marche, ce truc. Oh merde. Oh merde. Bon, au moins... Oh. Hop. Bon, on va pas faire ça tout le long de l'épisode, hein. Descendre, ouais, on va voir ce que ça donne en dessous. J'ai pas eu Keyblade pour la dernière zone.
Ah, c'est bien ce qui me semble. Ici pour l'instant. Allez par là. Jouer au football. Ah oui. Qui veux-tu affronter? Les écorcheurs. Lancer les fruits dans le but adverse pour marquer. Chaque fruit réagit différemment. Appuyez sur quoi pour tirer, pour carré pour donner de l'effet. Triangle pour lancer le fruit en l'air. Appuyez sur quoi pour tirer rapidement ou sur un pour lancer le fruit sur l'adversaire. J'ai complètement oublié ce que ça donnait ce jeu. Pas trop compliqué. Faut juste. Take that.
Ok. Ouf, fiche. What did you expect? Hey Kairi, vous pouvez désormais affronter Tic et Tac. Ah, c'est trop ballon. Okay. Putain, j'avais complètement oublié ce mini-jeu. À dormir hier soir alors. Des courses, on va rigoler. Accélérer et freiner, hein. Prendre du virage serré, changer de direction en freinant, et à fond. Ouais, c'est indicateur qu'un adversaire est dans votre ligne de mire, plus sur un. Hein. Ouais. Ça paraît que. Ok. Ok, ça va, ça a l'air de le faire. Allez, let's go. Avec le raccourci, c'est beaucoup plus simple, hein. Oh, t'es sérieux. Non, ça par contre c'est dégueulasse. Comment ça, arrivé quatrième, tu fous de ma gueule ou quoi?
Ouais. C'est dégueulasse, monsieur le juge. Ouais. C'est dégueulasse, ça, monsieur l'arbitre. En plus, je le vois déjà, déjà les trucs sont plus rapides que moi. Donc... Et accélère, connard! Non mais... Pour ce fois débloqué dans l'arène des mirages. Hein? My cart must have sprung a spring. You yahoos, just wait. Next time, I'll clobber all of you. Yippee! I hope he's gone for good. Nobody's gonna vote for a weasel like you, Pete. Pete? Vote? What are you talking about? Chip means the Million Dreams Award. It's a very popular part of our dream festival. Everyone in town votes for who we think is the most exemplary citizen. And since everybody knows how much of a troublemaker Pete is, he probably figured wearing a disguise was the only way he could get any votes. No votes, no prize. Yeah, the prize is all he really wants anyway. He doesn't care about being a good citizen. Oh, I think that's very sad. The award is supposed to help us appreciate how much we all look out for each other every day. Well, one thing I know for sure, I'm voting for Terra. Your racing really saved the day against those monster carts. Hip hip hooray for Terra! Well, I got something out of it too. I learned that you don't always have to bend the rules to reach your goals. Oh. All this time, I've been staring into the darkness. But... That doesn't mean I have to jump in. Uh-huh. Ah, c'était juste ça? Bien. Alors voyons voir c'est quoi cette histoire de chasse aux commandes là. Vous devez lancer le dé et vous déplacer sur la case pour gagner des PJ, des points de jeu, ok. Pour gagner, repasser par la case de départ en premier avec le nombre de PJ à atteindre, ok. Laissez une nouvelle partie en plateau puis le PJ à atteindre. Ok.
consulter les règles du jeu en cas de besoin. Oh, je suis dernier, t'es sérieux? Ah non, je suis premier, ok, j'arrive. Quand c'est à votre tour de jouer, c'est juste une action. Regardez en bas à droite. Voir où vous en êtes, ok. Passer en vue libre. Ou alors déplacer le curseur. Maintenant, pour accélérer. Faire pivoter la caméra, passer en vue au-dessus. D'abord choisissez jeter ou vous déplacerez du nombre obtenu avec le D aux intersections utilisées et hein, appuyez sur quoi pour choisir la direction où aller. Oui, c'est un Mario Party quoi. Ok, j'aurai 220. 1, 5, 6. Je vais aller par là. Hein. Passer les bandes pour gagner des PJ bonus et prendre une carte de commande. Les bandes passées sont indiquées par leur couleur. Ah, Monopoly, c'est tu achètes des zones. Là, c'est vraiment plus Mario Party où tu gagnes des pièces, quoi. Regardez ici pour savoir quelle borne vous avez passé. Passer les 4 bandes pour retourner à la case de départ pour gagner d'autres PJ bonus et remplir votre stock de cartes de commande. Bonus change selon le nombre de tours effectués et de cases déplacées. Ah, ok, bon. Vous jouez avec vos propres commandes, les symboles changent selon les types de commandes. Dans une case vide, vous pouvez dépenser des PJ pour y placer une commande. Hein? Les commandes placées sur le plateau sont améliorées en fin de partie. Oh! Selon leur valeur et votre position. Chaque joueur dispose d'une réserve et d'un cumul. Vous pouvez dépenser les PJ dans votre réserve. Le cumul correspond à la réserve plus la valeur de vos cases. Pour gagner, votre cumul doit être égal ou supérieur au PJ à atteindre. Ah non, d'accord, c'est pas je gagne, c'est je donne, d'accord. All right. My turn. Nice. Ready? Ah bah dis donc. Let's go. There we go. Nice.
Ah. Oh putain, t'es sérieux? Bah ouais, non. That's the way. Quand tu passes par la case bleue vers rouge, tu passes par la case de porte, tu gagnes des points, tu gagnes vraiment avoir tous les points. Est-ce que tu as sur toi les points? Ok, d'accord. Sketch. Non mais c'est un sketch, frère, ça y est. Je la mets en fait ce mode de jeu. Y'en a aucun qui va tomber sur une de mes cases, tu vois. Bah tiens. Façon pour l'ensuite. Nice.
Alright! There we go. Ouais, c'est un peu ça. Faut que je fasse 6 quoi. Bah voyons. Comme par hasard. Oh, enfin bon, c'est pas ça qui va me renflouer, hein. Un petit 2 s'il vous plaît. Bon, je peux aller me faire foutre apparemment. Thank you.
Ok. On va voir ce que ça donne. Oh la vache! Attends, il me reste combien des coups là à faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There we go. C'est un peu chiant, mais hein, ça se prend plutôt vite en main, en vrai. Ah. Ah d'accord, c'est deux tours, c'est deux points de case départ, d'accord. C'est de la merde. Mais c'est clairement de la merde en fait ce mode de jeu. Stay back. Ah ouais, d'accord. Ouais. Moyen fun quand même. Let's go.
Bah oui, bien sûr, évidemment, je le rate. Ah bah quand même. Non mais... You okay? Huh? Yeah, thanks. Guess they were too much for me. I'm just gonna have to train harder. You're pretty tough. It really handled those things. Are you here to enter the games? What games? The games. To see who's strongest. One day, I'm gonna win them all and become a true hero. Hank! Where are you? Front and center right now, or I'm tacking on another 1,000 laps. Uh-oh. Gotta go. The Colosseum's just up ahead. I hope I get to see you fight there sometime! A competition. I should find out how strong I really am. Oh. Ah! Ils sont durs les peaux. Chump after another. Like a who's who of decathlon disasters around here. All I need is one measly warrior tough enough to give Zeus a jolt of his own medicine. Wait. Dark, moody, powerful? Yes, he's perfect. This is it. How sad is this? Huh? Pains me to see it. All that power going to waste. Who are you? Name is Hades, Lord of the Dead, God of the Underworld, yada yada, how you doing? Hey, let me guess. You're trying to put the kibosh on the darkness inside you. Am I right? Of course I'm right. Well, anyway, bad idea. Wait, what? Okay, stay with me. Darkness is inside everybody. Nothing to be ashamed of. You play nice with it, and darkness will be your best friend. But if you go and get all self-conscious and refuse to face it, the darkness will run over you like a debutante at a toga sale. And then where are you? Nowhere! Now me, I look at you, and I see potential. That's right, kid. You got the potential to conquer the darkness inside you. And I'll even give you some pointers. I mean, believe me, if anybody knows conquering, I know conquering. Well, let's hear it then. How do I conquer the darkness? Easy. You sign up for the games. I know, I know. Please, Lord Hades, the games. But hey, you would be surprised what you can learn in the heat of battle. And don't worry, I'll be right there to guide you every step of the way. I'm kind of what you'd call an expert in the art of darkness. Oh, decide fast. This is a limited time offer. Comment se faire couiller la gueule, quoi. Hmph!
La petite sauvegarde, ça fait un petit moment. Voilà. Sauvegarde parce que j'ai pas envie de recommencer ça si je perds. When are you gonna tell me how to conquer the darkness? Hold your chariot horses. You would not believe the bureaucracy involved with these things. Name? Terra. Kind of earthy, but all right. Now, height and weight. What's this? Favorite god? Come on, Hades. There, ba-boom. Easy peasy. I sense that you're already starting to get all warm and fuzzy with that darkness inside you. Sweet, really. And hey, by the time you win the final match here, you'll have figured out how to conquer it for good. And don't worry, anything goes wrong, I'll make it all go away. Service with a smile. I got it. Comment se faire embobiner en une leçon, toi? Jusque là tout va bien. Il était chaud celui-là. Ah, bâtard. Je suppose que je recommence à zéro. Ah tiens. Tant qu'à faire, autant que ça me flingue jusqu'au bout du cul. Attends, mais Kimlet, elle fait tellement pas de dégâts.
Oh putain, non! Putain! J'ai jamais aimé ces phases dans ce putain d'univers, c'est chiant. Encore ? Putain, mais laissez-moi tranquille, bordel ! C'est dégueu. Si je perdais là-dessus, j'arrêtais de jouer. La merde ce truc, c'est casse-couille putain, c'est pas fun. Oh putain, virer ses faces dans les jeux quoi, putain. Les trucs avec des timers quoi, vraiment les pires bails. Hein. Putain. Want some?
T'es sérieux qu'ils m'ont bloqué mon attaque là? C'est de la merde ces mobs, c'est de la merde, j'en peux plus frère, c'est chiant. Putain, j'en ai plein le cul de réussir H24 là. C'est vraiment de la merde ce jeu. Putain de niveau de merde, c'est chiant. Alors, je dis c'est de la merde ce jeu, non c'est de la merde ce niveau. Toujours avec des putains de timers, les jeux comme ça, mais les mecs qui font des jeux avec des timers, allez vous faire enculer, hein, sérieusement. Y'a rien de fun à faire des mini-jeux comme ça. Donc évidemment, je me rate. Encore? Mais putain, mais lâchez-moi!
Oh putain. Ah bah oui, bah bien sûr. Enfin. Utilisez un pack sonic pour foncer plusieurs fois et vous ferez un chemin tout en fonçant, appuyez sur carré pour assommer les ennemis. Placez un pack sonic sur des commandes comme glissade aérien ou glissade glacée. Oh, quel enfer! Oh, j'en pouvais plus! Bon! Ah, on peut pas fusionner les... Ah. Ok, on re-sauvegarde. Bon, allez. But hey, I could improvise. Time for plan beta. Pardon me, coming through. I'm gonna miss my match. Hello, plan beta. Hey, kid! Huh? Over here. Come here. Once I've conquered the darkness in my heart, I'll never have to fear it again. Ah, mais merde! J'appuie sur deux touches en même temps! Fire.
Oh merde, putain, je suis trop con. Voilà, ça dégage. Je te reconnais, toi. Super warrior, see, right here, this, it's the power of darkness. Could have been yours, still could, if you open up to it. Hades! You were just playing me. The darkness will never have me. Je le reconnais, lui. Il me dit quelque chose, son visage. Ok. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. J'aime bien le fait de devoir l'affronter comme ça, genre, sans pouvoir bloquer les attaques, j'adore. C'est bien parce que juste avec une attaque comme ça, il m'enlève la moitié de ma vie, genre, je suis censé faire quoi? Lui, par contre, il peut esquiver comme il veut. You can't escape.
Je suis censé esquiver ça comment? Parce qu'il me le fait deux fois, j'ai perdu d'avance quoi. Non, parce qu'ils sont bien mignons les pélos là, de me faire des trucs comme ça, mais ils sont gentils, ils sont mignons tout le tas de soins, mais je suis censé le battre comment quand il est dans cette phase là? Ouais, bravo pour ton level up. Ah ouais, ça marche bien le blackout. Putain. Je peux pas esquiver. Je peux pas l'esquiver son attaque. Il m'a au bout d'un moment. Ouais, ça marche bien les attaques comme ça aussi. Ça sert bien qu'il précise que ça ne marche pas contre des batailles finales. Je peux pas l'esquiver sa son attaque quand il utilise les ténèbres, je peux pas. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux juste rien faire. Le seul moyen que j'ai, c'est d'attaquer à distance avec un peu de chance. Sinon, je peux rien faire. You can't escape.
Ouais, je peux en esquiver deux, quoi. Et je me fais one shot. Parce que déjà, je reviens pas avec ma full life. Je sais pas. Je vois pas. Là, c'est juste en train de me faire chier, en fait. C'est juste en train de me rendre barre, je la fais, en fait. C'est juste en train de me gaver, cette affaire. C'est tout. C'est tout ce que c'est en train de faire. Je reste une dernière fois et j'arrête, sinon. Mais même, j'ai pas le temps de l'utiliser. J'ai pas le temps de l'utiliser le soin, tu veux que j'utilise quand? J'ai pas le temps de l'utiliser le soin. Je veux bien l'utiliser. Mais je l'utilise quand? Comment? Première chose qu'il fait, c'est d'attaquer avec son attaque de merde qui me défonce en un coup. Je peux rien faire contre cette attaque. Je peux pas, ça me saoule, putain! Mec! Putain! C'est chiant! Ah, ça me saoule, allez, c'est bon! C'est casse-couille, je peux rien faire! Je peux rien faire! Je peux pas me battre à coup de soin non plus! Hein. Ah, ça me saoule, allez, c'est bon, j'arrête là pour aujourd'hui! C'est bon, ça me gave! Le niveau de jeu, il est trop élevé! Le truc qui est censé être à mon niveau, je le bats même pas, c'est bon, va te faire mettre! Oui, bah oui, bien sûr. Bon, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude. On se retrouve demain pour finir avec ce putain de niveau. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée. À demain.